Tous les jours, je me mets à rapper. Quand je sais pas quoi faire, je me mets à chier. Et son petit PQ parce que mon fils aime bien se branler tous les soirs. C'est une blague ou quoi? Là, vous êtes sur mon téléphone dans la gendarmerie. Ok, le concept est simple. On appelle des gens au hasard. Pour trouver le numéro de téléphone, on va faire des jeux complètement débiles. Et si tu aimes ce genre de contenu, abonne-toi et je te promets de te divertir tous les dimanches matins. Ok, première épreuve, on va tous les deux faire un lancer d'avion et on va mettre le chronomètre. Dès qu'il départ. Et dès qu'il crache. Voilà. Donc là, imaginons, ça, du coup, ça fera 07, 01, 68. Et du coup, pour acheter les deux nombres, on va faire un lancer de Frisbee. Let's go. Ok, let's go. Let's go, c'est parti. 1, 2, 2. 1 seconde 23. 07, 01, 23. C'est ça. Plus. Vas-y, tout de suite maintenant, le Frisbee. Ouais, je fallait me prévenir. T'es archi nul, t'es archi flingué, gros. Ah, bien. Ouais. Ouais, ouais, vas-y, fais un petit bisou comme tu veux. 1-16. Bon, comme d'hab, vous n'aurez pas le dernier nombre. Sinon, bah, on donnera le numéro des gens et c'est pas très bien, quoi. Ouais. Vas-y. T'es archi flingué, gros. Une. C'est ton moment, mec. 07. 01. 01. 68. 68. 01. 01. Et. Bon, par rapport à la dernière fois, là, j'ai créé un nouveau petit défi en plus. C'est quand on va appeler quelqu'un, avant même de l'appeler, on va devoir rouler la roulette de la mort. Rouler la roulette. Et il y aura un thème et il va devoir le faire au téléphone avec la personne qu'il ne connaît pas. Et c'est quoi faire un rap? Quoi? Attends, non, presque. Sondage. Donc, tu dois faire un sondage, par exemple, vous préférez porter plutôt des slips ou des caleçons? Ouais, vas-y. Un truc gênant. Et insiste bien. Bonjour, c'est. Chut. Sondage, c'est pas. Oui, allô, bonsoir. En fait, excusez-moi de vous déranger. C'est juste pour. Je vous contacte pour faire un sondage par téléphone. Ça prend genre 2 minutes maximum. Et en fait, c'est pour un projet pour l'école. Donc, j'espère que ça vous dérange pas de participer. Là, vous êtes sur mon téléphone dans la gendarmerie. Ah, ok, bah. Voilà, je suis désolé. Bonne soirée, au revoir. Heureusement, elle me l'a dit. Mais j'aurais posé des questions à une gendarme, j'aurais dit alors. Est-ce que vous faites attention à l'odeur de vos caleçons, genre? Ok, moi, bon, du coup, c'est le 07 01. J'ai encore la pression, mec. 16 01. Attention, mais qu'est-ce que je dois faire, mec? 20. 20 de tronçonneuse Le Bon Coin. Bon, c'est comparé au rap. Bah, excuse-moi, mais j'ai mis des trucs soft aussi. Allô? Oui, oui, bonsoir, excusez-moi si je vous appelle un peu tard. C'est parce que je suis très intéressé par votre annonce sur Le Bon Coin. Concernant la tronçonneuse, je voulais savoir. Téléphone. Comment? Je voulais savoir si vous avez toujours en vente votre tronçonneuse que vous avez mise sur Le Bon Coin, s'il vous plaît, madame. Allô? Putain! Mec. J'ai fait le 07 et cette fois-ci, je vais faire le 06. Comme ça, je vais tomber sur une pépite, je l'espère. Pépite au chocolat. Mec, t'aurais pas 5 minutes à perdre? Oui. Bonsoir. Bonsoir, excuse-moi, vous appelez à ce temps-là. Ce serait pour savoir si vous avez toujours en vente votre tronçonneuse que j'ai vue sur Le Bon Coin, s'il vous plaît. Une tronçonneuse? Oui, avec 16 dents. Je crois que vous êtes trompé. Dis, tu t'es coupé le doigt et tu veux couper ta main. Oui, mais j'ai mis aucune tronçonneuse en vente. Mais mince. Parce qu'en fait, je voulais savoir par rapport à votre tronçonneuse si je me suis fait mal au doigt et si vous pensez que ce serait pas mieux de directement sectionner la main. C'est une blague ou quoi? Non, du tout. Je vous ai dit que j'ai mis aucune tronçonneuse en vente. Gendarmerie, bonsoir. Ici la police. Vous avez fini? Je vous donne rendez-vous demain au poste, madame. Et pourquoi? Pour vente de tronçonneuse illégale. C'est une blague? Non, madame. Déjà, j'ai mis aucune tronçonneuse en vente, et voilà. Je me fais. Je t'avoue, mais elle croyait vraiment que c'est la police, le mec qui est ça, c'est malade, quoi. Le mec, quand on tombe sur des gens, à chaque fois, ils restent avec nous. Mais ça, c'est même moi tout seul quand je vais faire des blagues téléphoniques, gros. Ça ne marche pas comme ça, gros. C'est un délire. Bon, on passe tout de suite pour la deuxième épreuve. Bon, pour la deuxième épreuve, il y a des petits cubes avec des numéros. Et je vais directement les lancer sur Seyar. Et on va voir quel chiffre à chaque fois pour faire le 07. Et là, ça va être le. Oh non! Voilà, numéro 10 du coup. 0710. Et après, ça va être le. Regardez, je vais faire exprès de lancer. Oh, chou! Encore un 10, mec. Oui. C'est 9. Un 9 ou un 6? Je pense que c'est un 9. Hein. C'est un 9, ouais, c'est vers moi. Devant. 1, 10, 10, 91. Sale connard, va. Ok, mec, le dernier.
Il va être flouté, vous n'allez pas le voir. Ok, let's go, mec. Bon, c'est parti. Les dés, je pense que je les ai bien tournés, les petits dédés. Hein, dédé. C'est une dédé, c'est-à-dire grand-papa en Turquie. Ah ouais? Putain, c'est super intéressant. Ça, ça veut dire qu'il en a. Non, mec, ça. Ah, j'avais oublié que j'avais mis ça. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Madame, est-ce que vous êtes joueuse? Est-ce que j'essaie d'appeler la France et pour savoir si les gens sont joueurs? Oui, je sais pas. Ok, super. Bah, si vous voulez, on peut faire un ni oui ni non tout de suite. Le premier qui dit oui ou non a perdu. Ok. Comment ça va? Bien. Vous faites quoi dans la vie? Étudiante infirmière. Mais c'est qui en fait? Enfin, C'est personne. Ah, c'est vous? C'est toi? Comment ça, c'est moi? Bah, c'est toi hier dans le bus? Ah bon? Je sais pas. Ah ouais? Oh! T'as perdu. Bon bah, merci d'avoir joué. Merci beaucoup. Et bon bah, je suis nulle et tu es joueuse. Voilà. Je suis la meilleure, c'est normal. Bravo, bonne soirée à la gagnante. Merci, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Aussi simple que ça, mec. Gros, mais non, les gens ils vont croire que c'est faux, frère. Ah ouais, c'est qui t'appelle, tu dis vous voulez jouer à ni oui ni non et ils jouent les gens. Non, non, c'est rentré dans le jeu, c'est bien. Mais justement, ça m'a gêné parce que je pensais pas qu'elle allait aussi bien le prendre. Du coup, c'est en mode, ok, bah on commence comment le jeu en fait. Moi, je m'attendais à un râteau, frère. À ton tour, mec. Ok, ah. Yes. Tu penses à... Ah oui, 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 t'as bien compris ce qu'il y a marqué, bon. C'est est en couple, et moi aussi d'ailleurs, donc c'est parfait. Il va devoir l'appeler comme si, genre en mode, bah ouais, c'est ma meuf, allô bébé, ça va? Tu vas bien? Ouais, du coup, on se voit ce soir. J'en ai rien à foutre. Ah, je fais genre, je suis bah, bien. C'est ton couple gay, oui. Ouais. Tu es gay, ou alors tu es hétéro. Ouais. Allô? Allô, ça va? Ouais, ça va. Ouais, ça va. Alors, je voulais t'appeler parce que je voulais savoir si tu pouvais venir chez moi ce soir. C'est gay? Bah, arrête de faire semblant. Quoi? On s'était vu hier au club gay. Mais tu m'avais passé ton numéro après qu'on... Après dans les toilettes, tu te souviens? Mec, c'est une joke comme toi parce que mec, il a ton numéro. On appelle pas en masqué les numéros, on les appelle avec nos propres numéros. Pour la toute dernière épreuve, je te propose du chamboule tout et mais pas bon. Le boule qui chamboule tout. Mec, ton boule, il chamboule. Voilà, c'est genre... ça. Oui, voilà, c'était plus marrant toi en fait. Ouais. On a un nerf, ok? Donc Seyar va tirer, il y a 9 balles dedans. Il touche le 6, ça commence par 0,7, 6, autre chose. Attention, si tu ne touches rien, la bébule! Il n'y aura aucun 0 dans ma team. Il n'y aura aucun 0 dans ma team. 0,7, 0. 0,7, je note 0,5. Allez, rien de pas plus! De combien? 32. Ah, la reine là! La tentation de viser un peu plus haut, quoi! Non, mec. Et c'est gagné! C'est le 1. Oh! Mec, heureusement que c'était un peu comme ça, mon truc était pas. T'étais en plein sur la couille! Zéro, je m'en bats les couilles, zéro! Mec, t'as fait exprès de te mettre derrière, c'est pas possible! La vie de ma mère, non, je voulais faire le fourreur, je voulais annuler le truc! Mec, t'as failli me tuer une couille! C'est parti pour l'appel! Non. Non. Oh, mec! Non, sérieux? Eminem va être parmi nous, mec! Ah là là, faire un rap gênant! Quand elle décroche ou il. Oui, allô, bonsoir. À cet appel, vous avez décroché, mais vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. Au collège, on m'appelait le brave, mais quand je vois ta mère, je bave. D'un coup, je me demande sur quoi je suis tombé. Trou du cul. Merde, c'est raccroché. Mec, tu refais, mec. Bon, là, les gars, vu qu'il doit refaire et c'est un challenger, on va appeler un numéro, mais là, complètement au hasard. Il va bien noter sur le téléphone. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, à cet appel, vous avez décroché. Il est 20h53, je sais même pas pourquoi je vous ai appelé. Franchement, là, j'en ai marre, on m'appelait toujours le brave. Mais quand je me prends une gueule, je bave. J'en ai marre, putain, j'en ai marre, dans le débarras tous les soirs. Je me pète, je fais que de boire. Tous les jours, je me mets à rapper. Quand je sais pas quoi faire, je me mets à chier. Mais non, mec, tu l'as trop de blanc, le mec, qu'est-ce que tu dis, gros? Ouais! Je sais pas, j'ai pas d'aspi. Mec, bravo, mec. Mec, mais c'était pas improvisé, là. Si. Tout? C'était clairement improvisé. Tout? Tout était improvisé. Eh, hey, chaud, wesh! N'importe quoi. Après, vous allez appeler le 078. Oh non! 0780. Le 0786. Oh merde, putain, j'ai pas réussi à bien viser. J'aurais pu me prendre dans l'œil, quoi. Eh, hey, monsieur! Oui, oui. Lâchez-moi, petit souris. Au revoir. Il fait beau aujourd'hui. Oui, au revoir. Tant de l'un. Tu as tiré où? Monsieur. Tire au sort. Quel sera le prochain numéro? Personne ne sait quel était le numéro. Bien, monsieur, c'est votre stand. C'était monsieur numéro 4. Qui vas-tu pranker au téléphone?
Tu as bah, monsieur tu... Mais ce matériel est défectueux. Oh monsieur. Allez, un petit, petit offre. Allez. Oh monsieur. Ce tir était clairement intentionnel. Zéro. Oh monsieur. Est-ce que t'es prêt à rapper? Le feu. Regarde, pense à tes abonnés qui aimeraient te voir rapper. Ok, alors. Bah alors abonnez-vous. Et vous savez quoi? Ok, si vous vous abonnez maintenant, il va le faire. Ouais. Ça va? Ça va et vous? Ça va. Mec, faut que je t'explique. En fait, là, je suis en train d'appeler. J'adore le rap. Je suis passionné. Je veux faire ma vie dans le rap. C'est ma plus grande fierté. Mes parents me regardent avec des yeux de fierté. Je veux faire ça de ma vie. Donc, je t'appelle un peu toute la France pour savoir ce que vous pensez de mon rap. Donc, s'il te plaît, dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que tu penses que j'ai ma carrière dans le rap? Ouais, quand même, va. Alors, mec? Tu veux recommencer? Là, c'était total impro, mec. Je sais pas, je sais que c'est impressionnant, mais c'est de l'impro de ouf. Ok, mec, je t'appelle parce que j'appelle un peu toute la France pour savoir ce que vous pensez de mon rap. C'est incroyable, je suis trop fort. Mes parents me regardent en mode putain, heureusement que j'ai Ken mon daron parce que sinon j'aurais jamais eu ce fils. Il est trop fort. En plus, il est zéro sucre. Il aime pas ça, il aime bien le zéro sucre parce que le sucre, il en a rien à foutre. Mon fils, c'est le meilleur. En plus, il adore manger des cookies toute la journée dans son lit avec ses paquets de Réo, sa bouteille d'eau à côté, son petit PQ parce que mon fils aime bien se branler tous les soirs. Voilà mec, c'est mieux, tu préfères? Que dit mon pote à ce sujet? Vraiment pas mal hein. Pas mal. Ah bah c'est gentil, merci les gars. Merci les gars. Bah écoutez, passez une bonne soirée, moi je vous laisse, je vais rentrer dans le cercle les gars. Vas-y. Allez, bisous les gars. Oh les gars. Tu vois mec. C'était grave sympa, non mais imagine que premier degré ils ont gagné les mecs. Non c'est pas possible. T'es vraiment à chier. Bon, et bah écoutez, cette vidéo était incroyable. L'épisode 2 j'ai encore plus préféré que le 1. Franchement on est tombé sur des pépites, gendarmerie. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous voulez que je mette dans la roulette. Ça fait 4 fois qu'on refait ces poutrons, ok? Des défis de fou qu'on va devoir appeler les gens, genre là on a fait le rap, c'était marrant, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de encore plus fou? Pour l'épisode 3, let's go! Épisode 3, c'est sûr qu'on va le faire parce que vous allez kiffer, c'est sûr. Allez, bisous, un maximum de pouces bleus s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne de Célia et à ma chaîne aussi. Bisous, ciao!